c'est le plaisir que j'ai eu à rencontrer ce visage. Avec quelques questions, à me pousser à l'esprit. Humain. Réalité. Bonjour monsieur, je suis un projet journaliste. Pouvez-vous nous parler des entretiens que vous avez eus avec le monsieur? On a eu un entretien bien porté finalement sur les relations, de manière générale, entre la Belgique et le Maroc, mais particulièrement de la région Bruxelles-Capitale et le Maroc, sachant que la région est la région qui est la diaspora belgo-marocaine la plus importante du pays, je le disais. Un Bruxellois sur 5 est originaire. Et si on regarde les jeunes de 18 ans et plus, on est à par exemple, un jeune sur 3 qui est de Palestine, qui nous construisons ensemble le Palestin. Maroc qui est à la diaspora. Donc nous avons évoqué cela, nous avons évoqué évidemment un certain nombre de sujets comme les relations ce qu'ils font. Un partenariat, une amitié, deux pays qui ont un passé, un présent et un futur. Les grands axes, est-ce qu'il y a une convention probable? Au niveau de la chambre de Savoie, nous signons des conventions avec nous. Nous avons fait il y a quelques mois. Le 20e anniversaire de la Convention. Donc là-dessus, nous avons des programmes de coopération communs, d'échanges, un peu comme les relations entre deux régions connaissent finalement des développements assez similaires. J'ai une discussion ce matin avec le développement économique, tout ce qui a trait à la transport public, l'innovation, les partenaires industriels. Donc, nous avons finalement les mêmes défis que la région de Rabat à Saint-Denis. Donc, ça, c'est peut-être le cœur de notre action. Et puis, nous avons évidemment évoqué de manière plus large les partenariats économiques. J'ai évoqué cette extraordinaire augmentation du nombre de jeunes belgo-marocains qui sont diplômés dans nos universités, dans d'autres écoles, et qui viennent ici parce que il y a un lien très fort. Ce partage entre les Marocains et les Marocains, et ils font bénéficier les Marocains de leur expérience, de leur savoir-faire, comme ça se fait dans d'autres sens. Donc, c'est vraiment comment renforcer ça, comment faire en sorte qu'on puisse être des partenaires et des forts demain, pour bien du travail à faire. Justement, à ce point, comment vous allez faire pour consolider ce partenariat, au moins. Oui, ça c'est au jour le jour, et c'est pas d'abord, c'est d'abord des rencontres, c'est des rencontres, c'est l'occasion d'être le point d'un et travailler à cela pour faire en sorte que le projet de la partenariat, c'est un projet qui se fait. Donc ici, ce fonds sera une amitié forte. Donc c'est déjà une base solide. Merci beaucoup.